Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un combat que j'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines. Donc, comment j'ai pu passer à côté de ce combat pendant autant de temps, je ne sais pas. Et que j'ai regardé à nouveau hier, et je peux dire maintenant que je lui mets 5 stars. Donc rien que pour ça, je pense que ça valait le coup d'en parler, de m'arrêter, de faire une vidéo. Ça s'ajoute à ma petite collection de 5 stars, j'ai pas encore déterminé tous mes 5 stars dans le sens où j'ai pas tout vu ce qui avait existé dans l'histoire, mais surtout il y a beaucoup de combats que j'ai pas revus depuis un moment. Donc voilà. A priori, j'en ai pas non plus des branlés, des 5 stars. Actuellement, j'en ai peut-être 8, 9. À terme, je vais peut-être arriver en une vingtaine, trentaine. Donc voilà. C'est une tuerie. Et en fait, dans mon esprit, un 5 stars, c'est pas seulement un match qui est vraiment excellent. C'est aussi un match qui développe. Parce que finalement, un match parfait, ça n'existe pas, à mon sens. Et il y a peut-être des matchs qui sont, entre guillemets, plus parfaits que d'autres combats auxquels je mettrais 5 stars. Mais je pense que mes 5 stars, dans mon esprit en tout cas, c'est comme ça que je donne cette note-là. C'est des combats qui vont développer une idée, si tu veux, à son plein potentiel. Quitte à avoir des défauts à droite à gauche, je m'en fous du moment que cette idée-là, ce truc, je veux dire, un fil rouge, une trame, enfin bon, je sais pas comment appeler ça, une idée, à son plein potentiel. Ici, l'idée, alors, je vous invite à regarder le match avant de m'écouter, parce que je vais peut-être faire des spoilers. Maintenant, je vous invite aussi à écouter ma mise en, voilà, la présentation un peu du match, du contexte, et justement de cette idée de départ qui est intéressante dans le match. Avant de regarder le combat, comme ça vous allez peut-être pouvoir par vous-même, ce qui est beaucoup mieux que via ce que je vous raconte, apprécier le combat. Voilà. Donc, l'idée du combat qui m'intéressait en fait, et qui a été totalement développée et hyper bien développée, d'où 5 Star, c'est qu'on a deux lutteurs qui sont plutôt jeunes, plutôt inexpérimentés, mais qui ont les dents longues, donc Maru Fuji et Kenta ici, qui sont qui plus est... moins forts en one-on-one que leurs adversaires, et qui plus est, des junior heavyweight. Ce sont les champions par équipe junior heavyweight de la NOA à ce moment-là, et ils vont essayer de devenir champions par équipe poids lourd de la NOA, en affrontant une référence poids lourd, Misawa, et une référence qui n'est pas un poids lourd, mais qui se bat avec les poids lourds, Yoshinori Ogawa. Je vais présenter les lutteurs un par un ensuite, rapidement. Mais la situation donc, qui m'intéressait, c'est que c'est un peu le dilemme, comment deux lutteurs qui n'ont pas une expérience aussi forte que leurs adversaires, et qui sont moins bons en solo que leurs adversaires, et qui a priori n'ont pas non plus the edge en anglais, enfin le difference maker, le truc qui peut faire la différence dans ce match-là en termes d'alchimie d'équipe et tout ça, parce que finalement ils ont été en équipe peut-être 3-4 ans à ce moment-là, Kenta et Marufuji. En face d'eux, ils ont une équipe qui existe depuis une dizaine d'années. C'est une équipe qui est rodée quoi, en face, donc c'est pas là-dessus qu'ils vont faire la différence. Comment ils vont faire pour exister dans ce combat et éventuellement gagner? Donc je vous dis pas s'ils ont gagné ni rien tout de suite, c'est clair. Après je ferai des spoilers en parlant du match, mais pour l'instant vous pouvez écouter, ne vous inquiétez pas. Et du coup cette idée-là, elle est vraiment hyper bien développée en y ajoutant des petits éléments comme ça qui rendent le match encore plus kiffant. Parce que je pense que bon voilà, c'est aussi important pour obtenir une très grosse note d'avoir des trucs qui sont un peu kiffants même en eux-mêmes, voilà, sans forcément les avoir dans le contexte. Et avoir donc cette trame, ce fil rouge, ce truc. Alors. Petite présentation des lutteurs, je pense que ça peut contribuer. On a donc les champions par équipe poids lourd, Misawa et Yoshinari Ogawa. Alors, vous connaissez probablement Misawa au moins de nom, c'est le créateur de la NOA, c'est le plus grand lutteur du catch japonais des années 90, un des plus grands noms du catch japonais de tous les temps. Bon, je ne sais pas quel équivalent on pourrait trouver aux États-Unis, mais voilà, c'est vraiment gros, quoi. C'est balèze. Donc en solo, il était l'ex-champion à ce moment-là, en fait, Kobashi était le champion poids lourd, et Misawa était celui à qui Kobashi a pris le titre. Donc vous imaginez un petit peu, c'est vraiment waouh, tu vois. Avec lui, on a Yoshinori Ogawa, qui est donc un poids léger, donc un lutteur de moins de 100 kg, on va dire, mais qui se bat avec des poids lourds. Il est devenu champion poids lourd de la NOA, d'ailleurs, en 2002. Il avait battu Akiyama, donc voilà, c'est vraiment... c'est pas non plus un poids léger un peu faiblard, ça va pas être le maillon faible nécessairement de l'équipe. Nécessairement, même si un petit peu quand même dans l'esprit des fans, vu que Misawa est vraiment à un niveau violent. Et comment il fait Yoshinori Ogawa pour exister avec les poids lourds, sachant que c'est un poids léger et qu'au Japon on vend vraiment la différence de poids, un peu plus encore qu'aux États-Unis, mais je veux dire, on la vend aussi aux États-Unis. Je veux dire, quand Cena affronte CM Punk, dans l'esprit, on se dit Cena est plus costaud que CM Punk, donc il va falloir que CM Punk fasse quelque part un exploit pour exister. C'est comme ça, mais encore plus prononcé au Japon. Ça, c'est important. Et donc Yoshinori Ogawa arrive à exister avec les poids lourds parce qu'il est extrêmement doué dans tout ce qui est contre, esquive,
domination un petit peu psychologique et tactique de l'adversaire et tout ça. Donc voilà, il est un peu insaisissable. Il est surnommé Rat Boy au Japon. Alors je sais pas comment ça se dit en japonais, mais bref. Parce qu'il gagne beaucoup de combats aussi avec des small package ou des quick pinfall comme ça. Et puis il arrive toujours à se démerder, à esquiver, à faire des pièges un petit peu. Enfin, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et les meilleurs combats de Yoshinori Ogawa quand il affronte des poids lourds sont vraiment kiffants. Regardez, contre Kobashi, il en a eu un qui est excellent. Contre Misawa aussi d'ailleurs en 2002, il me semble. Ou 2001. Enfin bref. Donc c'est un lutteur que moi j'aime bien. Et depuis qu'il a été champion poids lourd, en plus, il est un petit peu branleur. Genre il se la pète et tout ça. Donc bref, il a en plus une attitude derrière, donc il est cool. En phase 2, donc on a Kenta Umaru Fuji, donc les champions par équipe junior heavyweight. Junior heavyweight, ça renvoie à une catégorie de poids et pas à un âge. Même si, bon, souvent les deux sont combinés au Japon. On va dire, ils ont totalement surclassé la division junior heavyweight en équipe depuis qu'ils sont associés. Voilà. On se dit qu'ils ont peut-être une chance parce que c'est tellement une bonne équipe et que bah, on les voit rarement perdre à l'arrivée puisqu'ils restent avec les junior heavyweight et qu'ils gagnent quasiment tout le temps. Maru Fuji a eu une petite rivalité avec Akiyama, du coup avec un poids lourd, qui fait qu'on se dit qu'il n'est pas si mal poids lourd, mais voilà, il n'a pas pu battre Akiyama, donc probablement qu'ils pourront pas, Kenta et Maru Fuji, avoir une chance face à Misawa. Peut-être face à Yoshinari, qui sait, mais c'est même pas gagné. Donc le gros dilemme du match, l'espèce de point de départ du match qui est intéressant en soi, ça va être de voir comment Kenta et Maru Fuji vont pouvoir aborder ce combat-là, sachant qu'ils ne sont pas nécessairement sur le papier une meilleure équipe en tant qu'équipe que leurs adversaires, et qu'en solo, a priori, ils sont moins forts que leurs adversaires, surtout quand ça va être Misawa dans le ring. Parce que Misawa, je vois pas, enfin on se dit, mais je vois pas comment ils vont pouvoir exister face à Misawa dans le ring, en gros, en one-on-one. Et du coup, cette idée-là, ils vont super bien la conserver dans le match. Ils vont même vraiment je dirais, la développer, faire un peu tout ce qu'il y a à faire avec cette idée-là dans le combat, d'où le 5-star. Voilà. Enfin, je pense que sur l'espèce de base de départ, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait tenir le match et qui lui donne ce potentiel à atteindre 5-star après. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres trucs dans le combat qui peuvent aussi contribuer à la note. Donc maintenant, je vous invite à regarder le combat. Plutôt que de m'écouter, maintenant si vous avez la flemme ou vous voulez d'abord m'écouter avant de regarder combien, vous avez le droit. Mais bon, je pense que c'est toujours mieux de faire d'abord regarder et ensuite voilà, confronter son opinion avec celle de quelqu'un d'autre qui peut-être a aimé le combat plus que vous, c'est fort possible. Alors, c'est clair que si vous connaissez pas trop les lutteurs ni rien, leur moveset et tout ça, leur finishing move, vous allez peut-être pas triper comme des malades. Je vais aussi, je pense, parler un peu de ça dans mon explication de pourquoi 5 Star. Alors, d'abord, il y a un truc que j'adore dans ce combat, c'est que dès le début du combat, on est intéressé. Il y a beaucoup de combats qui commencent avec les fameuses séquences, je te prends les bras, je te fais des clés ou des conneries, genre c'est un peu du meuble, on meuble un petit peu avant que ça devienne intéressant. Là, dès le début, ça devient intéressant parce que quand ils annoncent Misawa et Yoshinari, pour les fans, pendant ce temps-là, on voit Kenta et Maru Fuji qui se parlent un petit peu dans l'oreille, genre tiens, on va faire ça, machin. Et dès qu'ils annoncent Misawa, ils lui foncent dessus, il y en a un qui vire Yoshinari Ogawa du ring. On a vraiment l'impression qu'ils se sont dit juste avant, bon, on va essayer de niquer Misawa dès le début, parce que si on n'arrive pas à le torcher dès le début, on va se galérer avec lui pendant tout le match. Donc ça reprend un petit peu l'espèce de présupposé sur le papier du gros dilemme qu'ils vont avoir. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que Misawa prend le dessus sur les deux qui l'attaquent en même temps. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec Kenta et Maru Fuji à 2 contre 1, et Misawa tellement fort, il arrive à prendre le dessus. Du coup, ça place le dilemme encore à un autre niveau. Quand tu te dis, mais putain, à deux, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Comment ils vont faire? C'est pas possible. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce moment où il prend le dessus, mais ça va tout seul, c'est pas abusé, genre il fait du no-sell, ou il est trop fort, genre Superman ou Hulk Hogan qui a son second souffle, des trucs à la con comme ça. C'est vraiment l'impression qu'il a réussi à esquiver les moves qu'il fallait, à s'y prendre bien comme il faut, à gérer les deux en même temps, à placer ses elbows, qui sont des coups dévastateurs et tout ça, comme il fallait, et donc voilà. Il n'a pas pris le dessus de façon abusée, je trouve. C'est vraiment un moment qui est bien fait et qui est hyper utile. Parce qu'ensuite, il démarre une domination sur Kenta. Et on est désespéré quand on se dit, mais putain, le pauvre, il se fait défoncer pendant 10 minutes. Tu te dis, même s'il fait le tag, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Franchement, à 2 contre 1, ils n'ont pas réussi à battre Misawa. Avec Kenta qui se fait malmener, c'est mort. On voit Maru Fuji qui s'agace. À un moment donné, il va à l'extérieur du ring essayer de rencontrer, enfin, d'aller faire chier Yoshinari. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que Kenta a réussi à faire la différence. Et il se rapproche de son coin et Maru Fuji n'est pas là. Donc c'est des moments un peu dramatiques qui se mettent, qui créent aussi une sorte de sympathie. On a envie de voir les deux
outsider réussir à créer un exploit. Quand Kenta fait finalement le changement, finalement Marufuji il arrive à dominer 2-3 moments sur Misawa, notamment avec une séquence qui est géniale, où Misawa veut faire son suicide dive, l'autre anticipe. Du coup il renverse, il fait sa roulade au-dessus des cordes, pour plonger comme il fait d'habitude sur le gars à l'extérieur, mais sauf que le gars à l'extérieur le connaît bien, parce que Marufuji c'est l'élève de Misawa aussi, je l'ai pas précisé. Du coup il anticipe ça, il lui fait le dropkick dans les jambes et tout ça, enfin, il y a vraiment des séquences où on anticipe ce que l'autre va faire. Mais Marufuji avec 2 contre 1, forcément assez rapidement il se fait bouffer, c'est ce qui se passe. Et du coup, il y a une domination maintenant sur Marufuji, mais en plus avec Kenta à l'extérieur du ring qui est en train d'agoniser, il s'en remet pas de son espèce de branlé qu'il a pris pendant 10 minutes. En plus, la domination du début de match, je la trouve excellente parce qu'on a à aucun moment on a Misawa et Yoshinari qui prennent des risques. Tu sais, qui font des moves high fly à la con. On pourrait se dire, mais pourquoi ils font ça quelque part? Mais ils le font pas. Parce que finalement, ils sont sereins, les gars. Ils savent qu'à petit feu, s'ils bouffent Kenta, ils seront tranquilles après, ça sera dans la poche. Donc ils prennent pas de risques, ils tentent pas des high fly, ils tentent pas des big moves qui pourraient se faire contrer ou je sais pas quoi. Voilà, ils restent pépères, pas de problème. Donc ça aussi c'est cool. Et après donc Marufuji se fait dominer comme Kenta, mais sauf que Marufuji lui va réussir à neutraliser ses deux adversaires en même temps sur une séquence à l'extérieur où il fait son finisher sur la rampe sur Misawa. Donc du coup il est complètement KO. Et puis là il va foutre un peu Yoshinari dans les choux et là ça démarre vraiment le combat. C'est-à-dire que là, ça y est, ce qu'on attendait depuis le début du match et qu'on n'espérait plus d'un côté, arrivent les deux jeunes et poids légers arrivent à exister dans le combat, à faire des trucs, à rendre le truc un peu fou. On a l'impression aussi que leur volonté et leur niaque, parce que finalement pour eux c'est un exploit qu'ils peuvent faire alors que les deux autres c'est un peu une promenade, enfin ça serait normal qu'ils gagnent, leur donne un supplément aussi, notamment Kenta qui a un super selling de gros warrior, c'est-à-dire que il vend toujours la blessure sur ce match-là, il a l'air toujours d'en chier du fait de tout ce qu'il a pris pendant 10 premières minutes de combat. Mais il a la niaque parce que voilà, c'est gros, c'est son plus gros match en date pour lui, à la limite, et tout ça, donc voilà. Et du coup, la dynamique de la fin du match repose là-dessus. Voilà, donc j'ai pas besoin de détailler plus que ça sur la trame qui fait que je trouve le concept, l'idée de départ est super bien développée. Après, à l'intérieur du match, il y a plein de moments qui font. J'ai parlé du moment où Marufuji réussit à dominer Misawa à l'extérieur. J'ai parlé du tout début de match à 2 contre 1 avec Misawa. Il y a plein d'autres moments comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment un seul moment où je m'ennuie, franchement. Je me suis pas ennuyé du tout, j'étais trop captivé, ne serait-ce que par le déroulement et en plus par les séquences de moves qui sont faites. Mais alors, je vais parler quand même de 2 autres moments que j'ai trouvé absolument géniaux. Le premier, je pense que vous l'avez peut-être pas chopé si vous connaissez pas trop l'histoire du catch japonais. En fait, Kenta, à un moment donné, utilise un trademark move, même 2 trademark moves de Toshiaki Kawada. Il faut savoir que sur Misawa, il faut savoir que Toshiaki Kawada et Misawa, c'était les deux meilleurs amis. Deux meilleurs amis au début quand ils ont débuté à la All Japan dans les années 80. Ils sont même retrouvés en équipe, ils ont percé ensemble, c'est devenu des deux plus gros stars de la fédération dans les années 90. Ils ont donc passé ennemis, logiquement, in kayfabe. Et voilà, donc c'était les plus grands ennemis, tout ça, ils ont des matchs classiques ensemble, tout ça, tout ça. Et lorsque Misawa a créé la NOAH, parce que c'est sa fédération, c'est lui qui l'a créé, il a fait venir tout le roster de la All Japan avec lui, mais il y a quelques lutteurs qui ont refusé, en fait 3 lutteurs qui ont refusé, dont Kawada. Voilà. Kawada a décidé de ne pas aller avec son ami et finalement de ne pas être loyal avec lui. Donc c'est depuis ce moment-là, dans l'esprit des fans, tu te dis Misawa Kawada, il y a une espèce de froid entre les deux. Voilà. A priori, il ne faut plus parler de Kawada à Misawa, c'est pas possible. Et là, t'as Kenta qui fait un trademark move de Kawada, c'est-à-dire qu'il prend Misawa par les cheveux et il lui met des coups de pied là, à répétition comme ça dans le nez, dans la tête. C'est typiquement le move de Kawada. Donc t'as le public qui réagit comme des tarés là-dessus, parce que c'est une insulte limite suprême que tu peux faire, tu peux pas faire pire à Misawa. Kenta le savait, et ça fait vraiment le petit jeune branleur qui allait dans l'ombre, quoi, qui se dit, voilà, j'y crois trop, et tout. Et donc même le commentateur mentionne Kawada, donc c'est pas moi qui fais une suranalyse de taré. Et donc là, Misawa, qu'est-ce qu'il fait? On sent que ça l'énerve, il se rend compte de ce qui lui arrive, du coup il fait une espèce de nocelle, il se relève comme ça, il fait genre, ah, tu me parles de Kawada, quoi. Donc c'est vraiment le moment absolument... T'as l'impression que l'autre, Kenta, il a une espèce d'acting genre ouais, c'est ce que je fais, tu sais, la petite racaille, mais en même temps, il a l'air dans un léger doute. Est-ce que c'était pas une mauvaise idée d'énerver Misawa? Donc il y a une petite séquence qui est faite, et après, il le met au sol et lui fait la soumission de Kawada avec la jambe gauche de Kenta qui bloque le bras gauche de Misawa et puis lui tord le cou en même temps. Et là, t'as le public qui est fou, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, parce qu'il a Misawa qui est moitié KO, mais n'empêche que si tu l'énerves, ça risque de mal se passer. Ce moment-là, franchement, ça m'a donné des frissons. Je me dis, mais putain, c'est tellement une bonne idée d'utiliser ça. Je sais pas si c'était préparé d'avance ou quoi, mais bon, bref, c'était vraiment un moment assez kiffant quand tu as l'historique en tête. Un autre moment que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Marufuji qui fait son finisher à un moment donné.
En fait, il y a tout un moment où il a Yoshinari sur la troisième corde et tout ça, il y a toute une séquence. Et il veut faire son finisher sur Yoshinari Ogawa. Son finisher, c'est quand il. C'est le même finisher que Spike Dudley, si vous connaissez le finisher de Spike Dudley qui a lutté à WWE. C'est qu'il prend le. Il prend un lutteur en fait derrière son épaule, et comme pour un RKO si tu veux, et il court et il prend appui sur les. Alors il prend appui sur n'importe quoi, il peut prendre appui sur un adversaire, sur les barrières, sur le coin du ring en général, c'est là-dessus qu'il le fait. Et il fait une espèce de salto arrière en rabattant l'adversaire sur sa nuque. Sauf que là, il le fait à un moment donné et Misawa vient l'intercepter quand il fait son salto arrière pour le prendre sur ses épaules comme pour un running power slam. Et il le rabat pour un de ses finishers dont j'ai oublié le nom. Et je trouvais la séquence mais trop pure quoi, parce que du coup, il sauve à la fois Yoshinari pour porter un finisher à son tour et tout. C'est vraiment le truc de fou quoi. Et puis comme ils le font à la fin, dans le moment où il y a plein de kick-out de finisher. Enfin, c'est même pas des kick-out, c'est plus le partenaire qui vient sauver. Vraiment, j'ai trouvé ce moment, mais absolument excellent. Bon, il y a plein d'autres super moments. De toute façon, je ne vais pas parler pendant 10 siècles du match. Honnêtement, rayon défaut, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pourrait être considéré comme un défaut, qu'est-ce qui pourrait gêner un fan, à part peut-être les néophytes qui, donc, du coup, sont pas trop habitués au puro et vont pas pouvoir suivre le selling ou certaines particularités. Sincèrement, je pense que tous les gens qui sont habitués aux produits de catch japonais vont trouver ce match probablement excellent. Après, ils vous mettront pas forcément 5 stars. Je suppose que la sensibilité pour un 5 stars, c'est peut-être aussi très personnel. Il y a une part de subjectivité, j'imagine, quand on arrive à ce niveau de note-là. Mais voilà, je pense que ceux aussi qui veulent des combats un peu plus. Voilà, avec un kiff qui se veut aussi un peu cérébral, d'un certain point de vue, c'est-à-dire suivre vraiment un déroulement et qu'il n'y a pas un seul moment dans le match qui est juste fun. Ah si, je crois qu'il y a un kick-out un petit peu abusé dans le match. Ça pourrait être le seul défaut, c'est Marufuji qui kick-out du Tire Driver de Misawa, qui est quand même son finisher. Et il fait kick-out en faisant une roulade arrière et puis drop-kick. Donc c'est vraiment le mec, non seulement il n'est pas KO, mais en plus il a la fraîcheur pour faire un truc comme ça. Donc ça c'est un petit peu abusé. Maintenant le move qui sort est cool aussi, donc bon, ça passe. Disons que c'est pas le genre de truc que j'aurais voulu voir 3-4 fois dans le match. Heureusement, il n'y a que ce truc-là. Et voilà, sinon c'est vraiment excellent. Chaque lutteur a son petit personnage, on va dire son petit caractère, sa moveset, et voilà. C'est un combat super dense que je pourrais regarder des milliers de fois. Voilà, 5 stars, de toute façon vous avez compris que j'ai kiffé, j'ai pas besoin de le répéter. Je m'arrête là. Et vraiment, ceux qui l'ont regardé et qui ne le connaissaient pas, ou voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, je suis très curieux. Alors, toujours, on a toujours envie de savoir ce que les gens pensent de nos petits matchs chouchous. Voilà, donc. Un de mes combats préférés, un de mes tag match préférés aussi. Et voilà. Je m'arrête là, j'ai envie d'en parler, mais bon, j'ai plus rien à dire, donc j'arrête. Voilà. Bon, bah à la prochaine.